C'est aux environs de 19h15, alors que d'ampes pluies arrosaient la capitale et ses environs, que le pire a failli se produire. Après un atterrissage plutôt réussi, l'aéronef de type Embraer, en provenance de la capitale économique, a contre toute attente effectué une sortie de piste, créant un vent de panique non seulement à l'intérieur de l'appareil, mais également dans l'enceinte de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ceux qui ont vécu en direct cette sortie de piste ont eu la peur de leur vie. Heureusement qu'au bout du compte, il y a eu plus de peur que de mal. Dans un communiqué de presse rendu public dans la foulée de cet incident, Camerco précise qu'aucun dommage corporel ni matériel n'a été enregistré et que tous les passagers dont le nombre n'a pas été précisé ont été débarqués normalement. Au sujet de ce qui aurait occasionné cette sortie de piste, la direction générale de la compagnie aérienne nationale évoque les mauvaises conditions météorologiques dues certainement à la forte pluie et aux vents violents qui ont soufflé sur Yaoundé et les localités environnantes en ce début de soirée du 21 mai 2021. Si le pire a été évité de justesse, c'est grâce au professionnalisme et à la dextérité des membres de l'équipage, lesquels sans trembler ont réussi à maîtriser l'oiseau volant malgré les conditions météorologiques que Camerco qualifie de particulièrement rudes. Malgré cet incident, aucune perturbation n'a été enregistrée dans le programme d'exploitation de l'étoile du Cameroun, qui a failli prendre un sérieux coup au lendemain de la célébration de la fête de l'unité nationale. L'aéronef a repris ses vols pendant que les passagers qui étaient à bord ont regagné leur famille. Mais n'oublierons pas de sitôt cette soirée du 21 mai qui a failli virer au cauchemar. Alors que le vol entre Douala et Yaoundé s'était bien déroulé jusque-là.